Bien le bonjour à tous, du coup on se retrouve pour une vidéo customisation de la déclassée Taoma qui est sortie aujourd'hui. Elle est gratuite du 16 au 18 décembre, donc profitez-en à l'acheter car sinon elle sera payante après ces dates-là. Donc cette voiture-là, c'est la fameuse voiture débloquable gratuitement avec le Heist Challenge que Rockstar nous avait promis d'avoir un véhicule gratuit si on arrive à dépasser les 2 trillions de dollars en braquage. Donc on l'a bien dépassé ce challenge. On a atteint les 4 trillions donc voilà. Du coup elle se retrouve sur Turn San Andreas Auto. Elle est gratuite donc profitez-en. Donc IRL hein, c'est une Monte Carlo 1979. Donc elle a quand même une belle gueule. Franchement, elle est belle. Elle est belle. Une petite ancienne voiture comme ça. Donc elle est pas transformable chez Beniz, c'est dommage. Parce que je l'aurais bien vu avec les suspensions et tout. C'est vraiment dommage. Donc on va aller la customiser. Sinon, en temps normal, elle coûte 1 500 000. Ça fait une sacrée économie quand même. Donc ouais, faut sauter sur l'occasion, moi. Sinon c'est 1 500 000 la voiture. Donc voilà. On va y aller tout de suite. Donc c'est une grosse cylindrée. Hop là. Allez, c'est parti. Bon, du coup blindage, on va pas la blinder parce que peut-être qu'elle se rabaisse avec les armes. Pour ceux qui connaissent la technique, frein, moteur. Turbo, transmission, comme d'hab. Du coup, moi ce que je regarde en premier dans les véhicules, c'est les motifs. Parce que tout dépend des motifs. Ah, ils ont mis des motifs Lowrider, mais bon. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis chez Beniz. Hein. Remarque, pour une voiture gratuite, on va pas se plaindre quand même. Ils sont jolis ces motifs là. Je trouve qu'avec celle-là on pourrait faire une belle custom Lowrider. Même celle-là. Après là je la customise globalement, mais peut-être que plus tard je lui trouverai une belle custom. Alors on va essayer de lui faire un truc propre. Et on verra ce que ça donne. Ouais, un peu trop pétant le bleu. Mais j'aurais bien vu, ouais. Un bleu foncé ou un rouge. Je mets toujours la couleur en premier. Et après je fais les finitions. Donc ouais, je verrais bien hein. Ouais, tiens, pour l'instant on va la mettre comme ça, en bleu. Avec un tout petit nacré. Couleur finition, c'est quoi la couleur finition? Bon, ça doit sûrement être des petits détails qu'on ne voit pas. Couleur finition de l'intérieur du coup. Enfin, couleur secondaire. Je disais finition, mais non, c'est la couleur secondaire. Mais je vois pas c'est quoi la couleur secondaire du coup. On verra plus tard. Alors, pare-choc. Mais ils sont vachement imposants quand même pour la voiture. Mais bon, remarque, ça passe quand même. On va mettre celui-là, pare-choc chromé. Pare-choc arrière. Il est quand même beau le pare-choc d'origine. Je crois que je vais laisser le pare-choc d'origine. Je voulais faire une custom de luxe. Donc avec les petites finitions comme ça chromées, ça rend plutôt bien. Après je verrai si je dois modifier, mais. Du coup échappe.
Ah oui, t'as les échappements sur le côté. What? Attends, ils sont où les échappements là? S'arrêtent au niveau du moteur. Ah non, ils sont sur le côté. Oh, j'avais même pas capté, mais ouais, ils sont sur le côté. Ouais, très spécial quand même. Ça, c'est plutôt si tu veux faire une custom de course ou. Bon, un truc dans le genre quoi. Ouais, bon, on va lui laisser les. Celui-là, ils sont beaux, je trouve. Ça va bien avec la voiture. Capot! On va laisser le capot d'origine. Un rétroviseur. Ah, ils sont beaux ceux-là. Oh! Ah, les rétros ils vont bien avec la voiture, ça va. Ouais, je vais mettre ça. Et si je me trompe pas, dans GTA 4, elle est liée à cette voiture. Il y a des missions en mode histoire. Où elle y était. Donc je pourrais faire genre une voiture de mafia et tout, noire comme ça. Un encore noir comme ça, j'avoue qu'elle wow. Elle est magnifique. Elle va peut-être changer de couleur finalement. Ah, j'hésite, noir ou bleu? Noir ou bleu? Bah dites-moi en commentaire si vous aurez préféré que je la mette en noir ou en bleu. Mais je pense que je vais me pencher sur le noir quand même. Ça fait vachement mafia. Et je trouve que ça va vraiment bien avec la voiture. Alors le toit. Ah tu peux mettre des galeries. Ah ça c'est bien pour une customisation vacances. Oh une planche de surf. Oh stylé. Eh on pourrait faire une custom d'été dessus. Avec un toit ouvrant. Donc là pour l'instant on va mettre. On va mettre des petites galeries noires, comme ça va bien avec la voiture. Séparateur, hein, du coup. Ouais, pas fan. Suspension, ah oui, ah ouais. Ah, je pensais vraiment pas qu'on pouvait la rabaisser autant. Wow. On va peut-être la rabaisser de. Ouais, je pense qu'on va la mettre suspension de rue. Après les roues. J'aurais bien vu ces jantes-là, mais en chromé. Mais y a pas, c'est dommage. On va essayer de lui mettre des jantes un peu plus haut de gamme. Ça va faire un style. Ouh, celui-là il passe bien, ouais. Oh, puis franchement, il y a de quoi faire des belles customs quand même. De quoi faire des belles customs. On va mettre ça. Et bah finalement, on va peut-être mettre le petit liseré rouge. Ça lui donne un petit côté agressif. Et bah dans ce cas-là, si je mets ça, je vais retirer le toit. Avec un beau toit décapotable. Ah d'accord, je viens de comprendre, la couleur secondaire c'est le toit en fait. D'accord. Bon ah non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, du coup couleur finition, ça c'est l'intérieur, on va laisser comme ça aussi je pense. À part si on pourrait mettre un marron cuir.
Ouais, on va essayer de trouver une belle couleur. Non, on va mettre celui-là, je pense, couleur chocolat. Ou brun bison. Vas-y, on va mettre brun bison. Et sincèrement, je me suis bien débrouillé. Hein. Ouais. Ah, du coup, finalement, on va mettre le pare-choc chromé. Hein. Le gros pare-choc chromé, comme celui à l'avant, on l'a mis aussi. Hein. Et bah, sincèrement, je suis fier de ma custom. Je vais sûrement la laisser comme ça. Je vais pas la retoucher. Je vais peut-être m'en racheter une deuxième, vu qu'elle est gratuite, faut en profiter. Avec une deuxième custom, mais bon. Ah, à voir par contre, si on peut en acheter plusieurs gratuitement, ça je sais pas. On verra ça. Mais là. Ouais, avec un capot comme ça. Ouais, je suis satisfait de ma custom. On va la laisser comme ça. On va se poser un endroit pour bien la regarder. Tiens, on va se mettre là. On va tester la puissance après. Donc franchement, on va ouvrir les capots. On va tout ouvrir, on va regarder. Mais regardez-moi cette custom. Une petite note globale pour ma voiture. Vous lui mettez combien? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Dites-le moi en commentaire. Alors, véhicule. Tout. Bon, le coffre il est assez grand. Tu pourrais mettre au moins 3 valises familiales. Bon, le moteur assez bien texturé. Globalement ça va. Ça serait été mieux chez Beniz mais. Waouh. Du coup bah on va aller se mettre sur l'autoroute et on va tester tout ça. Hein. Donc voilà. Bon, on voit pas trop le compteur. Hein. Donc on va se fier juste. En termes de pointe. Bon, du coup, ouais, une grosse cylindrée. Assez rapide. Pour une grosse cylindrée. Elle va presque aussi vite qu'une sportive. Ouais, elle trace, elle trace, elle trace. Elle freine bien. Bon, remarque, j'améliore les freins aussi. Non, sincèrement, c'est une belle voiture. On arrive vers la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis, du coup, bah, nous. On se retrouve ce soir pour un live rassemblement sur ma chaîne. N'hésitez pas à venir nombreux. Et sur ce, bah, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao!